repart tout de suite au stade Vélodrome pour retrouver Avi Assouli. L'OM, c'est sur France Bleu Provence. Écoutez, bonsoir à toute l'auditoire de France Bleu Provence, du Vaucluse, du Var, des Bouches-du-Rhône évidemment, et de partout. On va très loin en tous les cas ce soir. Merci à Pascal Poitevin qui réalise l'émission, et c'est toujours Bénédicte au standard qui prend vos pronostics. Marseille se bat comme un lion. Oh, ça bouscule, notamment par Romain Rocky. L'OM fait partie de la vie du Marseillais. Le samedi, il y a le match, on en parle dimanche, le lundi, puis après, on pense au match suivant. Donc, sans arrêt, l'OM fait partie de sa vie. Comme la mer est là, comme Notre-Dame de la Garde, voilà, c'est la Canebière, voilà, c'est des repères historiques. Et il y a un ami à moi qui disait, on a d'abord construit le Vélodrome, et puis on a construit la ville autour. Voilà ce qu'on dit ici, tout bonnement. Presque 9 minutes de jeu, toujours 0-0 entre les deux formations, et une occasion de part et d'autre, évidemment, alors que Paoletta, à la limite du hors-jeu, s'est sauvé, Paoletta frappe, et c'est le but parisien. Paoletta, une occasion, un but à la limite du hors-jeu. Oh là là, ce joueur, il n'y en faut pas beaucoup.